Franchement, j'ai pas envie de me faire péter. Non, t'inquiète, c'est un méchant cambriolage, je te jure. Ouais, mais si je me suis déjà fait péter une fois pour cambu, là, si je me fais encore péter, ça va faire deux fois, c'est sûr que je prends je sais pas combien. Mais non, je l'ai fait quatre fois cet appartement, gros, je me suis pété une fois, je te l'ai dit, gros. Viens avec moi, t'inquiète. On va appeler un collègue à moi, normalement. Viens, on appelle le nom, si tu veux. J'avais de la vie, tu crois que j'ai envie de prendre 20 ans, c'est une balance, frère. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ah, tu vois. C'est la pire des balances. Ouais, je vais appeler Sultan. Mmh. Ok, c'est où? Ouais, ouais. Il va l'appeler, mais tu fais comme si de rien n'était, gros. Tu fais commence pas nanana, faire le fou comme d'habitude avec Nono, sinon je te prends un coup de taquet. Non, là, t'es moi sûr? Je viens pour faire de l'argent. Ah, c'est bon. Bon, écoute, tu vas dire quoi là? Dès qu'il va arriver, tu vas lui dire quoi? Je vais dire chez ma tante. On va lui voler des meubles à ma tante. Pas les voler, déménagement. Putain, mais tu es teubé ou quoi? Déménagement. En gros, c'est un chanteur, c'est pas des gains, tu as compris? Faut pas lui niquer. Ouais. On lui fait à l'envers, et voilà, c'est bon. Tu as compris ou pas? Et dès qu'on arrive devant la porte, tu fais exprès que tu as oublié les clés. Tu as compris? Ah, j'ai oublié mes clés. Voilà. Comme ça, je fais. Voilà. La deuxième mousse. Voilà. Ouais. Dès que tu parles à Nono, la balance là, on va prendre 35 ans chacun. Ouais. Hein, on est où? Hein? Mm. C'est frif. Bon, fais bisous. Ah non, c'est des PD qui font. Non, ce ne sera pas de bonheur. Vas-y, fais bisous. T'inquiète, on va bien le péter. Voilà, c'est bien. On vient du Havre. Allez, vas-y. C'est bon, on vient du Havre. Oh bébé, là, je vais présenter mes parents, donc s'il te plaît, agis correctement. Tu peux le faire, ça? Comme d'habitude. Non, justement, pas comme d'habitude. Voilà, si à table, tu peux ne pas parler, ben, ça serait très, très bien. Voilà, ça serait parfait. Je parle pas, genre, pas un mot. Pas un mot, voilà, pas un mot. C'est bien. Mais si j'ai soif, je peux leur dire donnez-moi de l'eau? Non, ça oui. Et si je veux du sel, je peux leur dire aussi? Ça oui, aussi. Et si... Et si tu fermais ta gueule, Nono, qu'est-ce que tu en penses? Hein? Ça serait bien aussi, non? D'accord. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble? Je crois quelques mois. Quelques mois? Oui. Tu étais au courant, toi? Un peu, parce que bon, je vais quand même changer, oui. Hein. Coucou, c'est Nono. Coucou, c'est Nono. Oh. Bébé, écoute, viens, on va manger la prochaine fois chez toi. S'il te plaît, j'ai pas trop. T'es sérieux? Viens, on va manger au spécial. Qu'est-ce que tu as? Et demain, on mange chez toi. Ça fait deux mois qu'on prévoit ça. T'es sérieux? Tu me fais ça maintenant? On mange demain. Bébé, est-ce que tu sais me faire ça? Mais non, bébé, mais. Est-ce que tu es sérieux? Tu es sûr ou pas? Bon, écoute, je viens, on rentre, mais par contre, je mets la capuche. Mais qu'est-ce que tu racontes, la capuche? Bébé, je sais de quoi je parle. Arrête. Ça va, papa? Oui, fille. Ça va? Bien? Ouais. Alors, c'est ton petit copain? Oui. Tu peux la lever, il pleut plus, là. Non, pas du tout. Non, la vie de ma mère, on se connaît pas, ni moi, ni Karim, on le connaît pas. J'ai pas fait d'accident avec sa voiture, non, et il me doit pas 5 minutes, je dois pas 5 minutes. Non, ça se connaît pas. Non. Vas-y, ma chérie, rentre. Tu vois, va voir ta mère, je vais lui montrer la cuisine. Je vais te montrer la cuisine. Dans ta bouche, rentre. Si tu parles de quoi que ce soit, je t'arrache la tête. Ouais. Compris. À la cuisine, c'est là-bas au fond. Je vais à la cuisine. Tu vas à la cuisine. Maintenant? Tout de suite. Tout seul? Ah là, les gars, ma tante, elle m'a pas passé les clés, cette salope. Non, tu les avais les clés, tu m'as dit. Ils sont où? Je sais pas trop. Putain, mais vous êtes sérieux, les mecs, vous me faites mettre des gants, t'as pas les clés, c'est quoi le délire? Ouais, c'est pas grave, les gants, c'est parce que je t'ai dit, ma tante, elle craint les maladies, les hépatites, les trucs comme ça, là. Ah, bah c'est pas grave, elle s'en fout ma tante, venez on pète la porte. Qu'est-ce que tu racontes? On défonce la porte, comment mais tu veux? Mais non, tu grandes tu veux défoncer quoi frère? C'est un déménagement, c'est pas un déménagement. Ouais, c'est rien, parce que ma tante, elle veut que je vais lui ouvrir la fenêtre. Eh hey frère, ton pote il est chelou, oh, sur la vie de ma mère ton pote il est chelou. Mais c'est fou, il fait la prière, il fait 9 prières par jour. Mais comment tu veux qu'il soit chelou? Putain. Il va vite ouvrir la porte, tu nous aides à faire le déménagement et c'est bon. Pourquoi tu t'énerves pour rien? Eh non mon frère, t'inquiète, c'est pas comme ça. Mais bien les gants par contre, parce qu'après, pour les empreintes, tu vois. C'est pourquoi? Non, parce qu'après on va faire le ménage. Eh, je te jure, gros. J'étais en train de dormir, j'étais tranquille. Tu viens, tu m'appelles, tu me réveilles, tu me dis que de la merde là-bas. Parce que tu es la famille, c'est pour ça, gros. Pourquoi tu t'énerves? Mais non, ça va, t'inquiète. Hein. Je t'ai dit en plus, sur la vie de ma mère, il fait la prière, il va devenir imam. Hein. Je le connais, lui. C'est... Bon, il est un peu. Mais bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Casse les couilles. Ça, t'énerves pas, Sultan, sérieux quoi? Non, vas-y, arrête. Vas-y, arrête pas là. Vas-y, vas-y. Bon, t'inquiète, hein. C'est bon? Vas-y, fais ton déménagement. Fais un petit cambouis tranquille. Vas-y. C'est tout. Quoi? Elle te plaît, ma fille? Ouais. Elle est belle. Ouais. Elle est gentille. Ouais. T'as envie d'aller. Ouais. Là, c'était quoi? J'ai mérité, gros.
J'ai mérité, je vais faire comme quand Karim, il a pas envie de me frapper. Hein? Je vais me niquer tout seul. Voilà, c'est bien. Encore. Non, tu m'arrêtes, ça va. Non, j'ai mérité. Arrête, non, arrête, j'ai mérité. Arrête. Tu m'arrêtes. Arrête. Vous voulez des gants ou pas? J'ai mérité. Vas-y, je vous casse les couilles depuis tout à l'heure. Mais là, ça fait 10 minutes, ton pote, il fait quoi, mon frère? C'est mes meilleurs gants pour péter les maisons. Eh, c'est bon, vas-y, moi, je tape. Qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce qu'il y a? Non, tu as pété les plombs, quoi. Pourquoi je peux pas taper? T'as honte, toi? Vas-y, mon frère, vas-y. Il va en vrai, t'inquiète, je te dis, il est parti péter la vitre, il arrive. Bonsoir, madame, c'est pour le déménagement. Bonsoir. Quel déménagement? Le déménagement de vos meubles. Bah, le déménagement. Oui. Ah, mais vous devez vous tromper, les jeunes. Explique-lui, qu'est-ce que vous faites dehors? Vous avez les bonnets, les gants, qu'est-ce que c'est? Ah, parce qu'on a la lèpre. C'est pour ça. Non, mais les jeunes, vous vous trompez, là. Franchement, c'est pas là. Ah, je trompe pas. Mais qu'est-ce que tu fais, gros? Maintenant, on va retourner là-bas. Allez, on retourne. Où tu veux? Arrête, attends là, bouge pas. On va retourner là-bas. On se connaît pas, d'accord? Non. Pour ma famille, je suis un bon policier. Ouais. Je veux qu'il garde ça dans la tête. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait, gros? C'est rien, les gars, je maîtrise la situation. C'est ma tante, elle a l'habitude de s'endormir comme ça, sinon elle dort pas. C'est la prise du sommeil, c'est rien, c'est... Là, tu lui as fait la prise du kangourou, elle est morte clinique, là. Non, elle est pas morte. Arrête, déjà, tu m'as niqué ma voiture. Ne rigole pas comme ça, sinon je t'arrache la tête. Trou du cul, que dire. Tu me devais 5000 euros. Ouais. Maintenant, tu me dois 10 000. Ouais. On est d'accord. Ouais. Tu vas me les donner. Ouais. Tu les as. Non. Ah, bien. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Il se trouve qu'il y a une belle coupe, non? T'as vu, il est beau, hein? T'aimes pas dire bonjour à maman? Ah ouais, je lui dis bonjour. Allez, à ma tata, mais non. Surtout les gens qui sont à Marseille, il est allé me trouver ce trou du cul de merde. Je suis dans la merde. Tiens, prends cette commande. Va chez mes sœurs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu vas rien brûler du tout, tu vas. Vas-y, va chercher des sœurs. Mais tu vas rien brûler du tout. Tu vas rien brûler. Sur la tête de mon. Mais tu vas où? Tu vas où, toi? Il va chez Kessos. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas rien brûler. Eh, tu vas nulle part, toi. Si, bah, les gars, décidez-vous, je vais acheter. Vas-y, je te dis. Mais sur la vie de ma mère, viens ici, ta race, viens ici. Tu vas rien brûler du tout. Assieds-toi là. Assieds-toi là. T'es où? Les gars, j'ai mis un masque de ce matin. Vous me décoiffez, j'ai mis un masque ce matin, Zabi. Arrête. Va chercher les sœurs. Vas-y, Boba. Partons. Mais t'es à ouf, toi! Sur la vie de ma mère, je t'écoute plus! Ouais, je t'écoute plus! C'est oh, fini! 95. C'est fini! Non. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais casse-toi! Mais c'est fini, toi! Je t'écoute plus! Enfin, tu vas pas tuer essence ou diesel? Sur la tête de ma mère! Ou gasoil, il va rester de la monnaie, je prends une bombe, tu creves en? Tiens, Stéphanie, s'il te plaît, tu passes à chaque fête, s'il te plaît? Tu vas t'en regarder. Moi, si c'est pas halal, je mange pas. C'est halal? C'est halal de où? Comment ça, oui, c'est halal. T'as acheté où? C'est Azog. Ouais. Tu peux me prêter ton téléphone? Tiens, par contre, si tu achètes des applications payantes, Nono, il va déduire des sous qu'il doit à ton père. Tiens, Nordine, ben, je t'ai fait un petit cadeau, histoire de te souhaiter la bienvenue dans la famille. Franchement, c'est gentil, elle est trop belle cette boîte, je l'avais pas. Mais par contre, ça me casse les couilles. Tout le temps, on me fait des cadeaux, c'est des boîtes. Ah. Et elles ont... Bon, celui-là, il est beau parce que... Allô. Ouais. Arrête de faire remarquer, ça s'ouvre, la boîte, elle s'ouvre. Ah ouais? Ça se recommence. Tu le verras après, hein, d'accord? En fait, tu fais quoi dans la vie? Quand quelqu'un t'appelle. Il y a marqué grosse chaîne. Mais non, c'est que c'est rien, bébé. Mais non, ils sont pas. Viens là. Mais non, bébé, c'est. C'est qui? C'est la mère grosse chaîne. C'est la mère à Karim. Oui, c'est ça. On va parler à toi et moi après, d'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis avocat. Avocat? Avocat, d'accord. Attends, excuse-moi. C'est... Ah ouais, dans quelle branche? De quoi? Je suis avocat dans la branche des policiers ripons. Attends, tu parles moins là-bas. Je connais. Vous la connaissez cette branche des flics ripons? Elle est bien, hein? Tu veux t'asseoir dessus? Non. Sinon, il y a quoi dans le vase là-bas? Parce que je vois, il est tout seul et tout. De la terre. Oui, c'est ça, de la terre, oui. C'est mon père.
Ah ouais, c'est... Tu sais que là, c'est mon père, c'est les cendres de mon père. C'est ton grand-père, là. C'est mon grand-père. C'est les cendres de ton grand-père. Ouais, ça fait fait ta de mais pour moi, c'est une valeur inestimable. Parle avec nous, fais-toi avec nous. C'est une valeur inestimable pour moi. C'est inestimable, ça. Oui, ça, c'est inestimable. Oui, c'est pour moi, c'est... Putain, il fait n'importe quoi, le marron. C'est bon, ils ont perdu mon vieux. Venons la brûler, hein. C'est bon. Qu'est-ce que tu racontes? Le marron qui l'a perdu, on l'a brûlé. Ça va, vas-y, assieds-toi. C'est toi, on l'aurait brûlé depuis le début, là. Tu es en train de faire Zorro, pas Zorro, nanana. Mais qu'est-ce que tu racontes, frère? Moi, je suis là, je suis en train de faire la musique, j'ai rien à voir dans tes histoires, là. Écoute, c'est pas parce que le marron qu'ils ont perdu qu'on va brûler la pauvre dame. De toute façon, on va la brûler. Mais qu'est-ce que tu racontes toi aussi? Vas-y, tu me ramènes pour un déménagement, on se retrouve avec un homicide, mon frère. Tu es mort, gros. De toute façon, elle a reconnu ta tête, gros. Voilà, je te le dis. À moi et à toi, on est mort. De toute façon, en plus, elle va aller à la FNAC, elle va te reconnaître. Virgin Megastore, BFM TV, Claire Chazal. Et bim tu es mort, gros. Mais c'est rien, gros, tu vas prendre que 20 ans. Oui ou non? Elle va aller enfin. Ouais, c'est vrai, tu es mort. Moi, je m'en fous, les gars, elle a pas vu mon visage. Ça fait que là, je m'en bats les couilles, je vais rentrer, je vais dormir. C'est à cause de lui, là, avec sa coupe, sa truc là, du kangourou. C'était pas la prise du kangourou déjà, là-bas c'était la prise du sommeil, je l'ai attrapé comme ça, et quand. Elle a fait ça, elle. Je crois quand. Et ça, c'est là que je crois que ça s'est transformé en prise du kangourou. Ça s'est transformé en prise du kangourou. Mais à la base c'était la prise du sommeil. Bon, les gars, moi, vous savez quoi? Je vais appeler mon poteau Nono, et je vais lui dire qu'est-ce qu'il en pense. Ouais, non, mais regarde, c'est ta mère. Non, c'est... Non, mais c'est pas ça. Attends, mais moi je suis au téléphone. D'accord. Allô? Je t'appelle famille, comme tu m'as dit là. Les bâtards. Non, oh, admettons si, genre, t'as une vieille devant toi, qu'il faut la brûler. Tu vas faire quoi, toi? C'est ce que. Découpe-la en morceaux, tu la mets dans un sachet. Quand même, ça peut être une bonne idée, hein, merci. Ça va, merci. Oh, tu vas serrer, c'est qui mon beau-père, frère? Ah, je vais te dire, c'est qui mon beau-père? Je suis ni ton beau-père, ni ta tante, ni ta tante. Non, ça va, c'est bon. Je te rappelle, Karim. C'était qui? C'était un client. Karim, il est dans la merde. Oh, dégaine. Les gars, il vient de me donner une sale idée. Il m'a dit, venant la découpe, on la met dans un sac. Mais qu'est-ce que tu l'écoutes, lui? C'est un trou de balle, lui. C'est un trou de balle, non? C'est une balance, en plus, frère. Moi je vais la brûler, moi. Ça merde. Bon les gars, moi je m'en bats les couilles, elle m'a pas vu. Je dois faire un match là demain. J'ai pas que ça à faire. Je vais aller me faire un sandwich. Donc arrêtez, faites ce que vous voulez. C'est qui veut. C'est quoi, viens, on va la brûler, c'est bon, ça y est, c'est bon. Allez. Qui vous quitte. Viens, on la brûle, c'est bon. Allez, top. Vas-y, cherchez l'essence. Bon. Qui c'est qui veut. Moi je vais manger un sandwich. Lui qui en veut, il me dit. Tu veux un sandwich, gros? Un croque monsieur? Ou un croque madame? Ça me fait rigoler de te voir comme ça, d'habitude, 4 étoiles, pas 4 étoiles. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus rien, c'est fini. Maman, maman, vous avez fait quoi ma mère là? La bande de bâtards, vous avez fait quoi là? Maman, maman, oh, le chaos. Oh, là, tu l'as fait à la Nadal là. Tape là, gros. Ah, oh, gros. Mais c'est le... Deux. Ça va, il faudra que 5 euros de plus d'essence. C'est pas possible. J'ai pas 5 euros, donne-nous 5 euros. Deux. Ah, il nous faut 10 euros. Deux, t'as doublement niqué ma vie, deux fois gros. Pourquoi? Deux fois. Et pourquoi moi? C'est moi. Mais c'est pareil, c'est qui qui m'a ramené ici? C'est qui m'a ramené ici? Là, c'est toi, c'est qui m'a ramené ici? Ah, rends pas vous, là au pire si on se fait péter, 10, ça fait 20 piges. C'est toi qui l'as. 20 piges, tu ressors, ça va, tu peux faire encore des albums. Ouais. Au fait, si on allait au cinéma. C'est une bonne idée, non? Enfin, pensé. Ouais. Non, moi là, franchement, là, je suis très fatigué. Ah non. Ah ouais, puis qu'est-ce qu'il en pense, papa? Non. Tonton, il est fort. Non, je suis sûr qu'il n'aime pas le cinéma, toi. Si, j'aime le cinéma, tonton. J'aime trop les films. Quel genre de film? Genre de film? Ben, la dernière fois, j'ai vu un film, bébé. Ah? Ouais, mais t'étais pas là, j'étais avec. Avec qui? Avec Karim. J'étais avec Karim. C'est un policier, Ripou. Et en fait, il fait croire à sa famille que c'est un bon policier. Et il a affaire, il escroque deux jeunes innocents, ils ont rien fait, tu sais. Et il y en a un, il est grand de taille, il a l'arrêt comme moi, et il s'appelle Nono en plus, comme moi, comme par hasard. Hein. Et l'autre, il s'appelle Karim, il est plus petit de taille avec des gros cheveux. Et il leur demande 5000 euros, après il leur demande 10 000 euros, ouais. Et tu sais, à la fin du film, qu'est-ce qui se passe? Nono et Karim mettent deux balles dans la tête comme ça au policier, et ils écrasent la tête, ils finissent par terre, et ils l'enterrent au good. Je te trompe de film, en fait, à la fin, le Condé, il leur met 4 balles à la tête à chacun. Et une dans le cul aussi. Non, moi, lui que j'ai vu, c'est les deux qui mettent les balles dans les condés. Dans le condé. Ouais, c'est ça. Je suis sûr, hein. Comme ça, t'es pas dans la tête. Y'a de la place dans le vase?
Peut-être. Il y a quoi ton grand-père dedans? Mon père. Pardon, excuse-moi. Mm-hmm. Je suis un peu fatigué, mes chéris. Oui, d'accord, c'est... Il n'y a que ton père. Oui. Ah. Oui. Ça suffit, non? Oh, non, mais c'est... Ça suffit pas. Si on comme ça. Ah bon. Sinon, t'es bien avec ma fille? Ouais, franchement, on est super heureux. Franchement, c'est une fille bien, hein, votre fille. C'est une fille bien, c'est une fille sérieuse. Je sais qu'elle est bien. Franchement, elle est super bien. Ça fait 6 mois que je suis avec elle. Je l'ai même pas niqué, je l'ai même pas mis un doigt sur la tête. Oh là là. C'est bon, papa. Papa, écoute, il savait pas. C'est bon. Il voulait pas dire ça. Ça va, je me casse. Casse-toi. Allez, c'est bon. Casse-toi. Dis-moi, putain, mais comment tu es allé trouver ce trou du cul? Papa, je suis heureux, c'est le principal, non? Il te rend heureuse? Oui, il me rend heureuse. Ok, d'accord. Voilà. Tu peux rien dire à ça? Non. Il me rend heureuse, voilà. Je l'aime, c'est comme ça. Ok, il a fait une erreur, j'avoue, hein, quand même. Une erreur? Mais il voulait pas dire ça. Il voulait le dire gentiment, mais il a mal tourné la chose. Ça arrive, hein. Voilà, ça arrive. Comment tu fais? Il me fait rire, il est gentil, voilà. C'est le principe comme ça. Il y a pas que ça dans la vie. Et il y a quoi dans la vie alors? Tu mérites beaucoup mieux. Mais tu mérites beaucoup mieux. Putain, parle mal. Je suis un trou du cul, j'ai oublié le cadeau, les gars. Ni comment ta mère dans la vie. C'est bon, je me casse, tu comprends? Allez, comment ta mère de là? Ah bah, je sors. Il claque la porte, ce trou du cul. On va les brûler les deux maintenant. D'accord, Sultan? Moi, je brûle rien du tout. Moi, je brûle rien du tout. La tête de ma mère, on va les brûler. Fais ce que tu veux. Moi, je brûle. Oh là là, la Rolex. Tu vois? Je la prends, celle-là, gros. Ouais, prends-la. On a décroché mon frère. Mais touche rien, vas-y là. Touche rien là. Je la veux moi. Arrête, reviens. Je vais te brûler avec la Rolex. Reviens, t'es un fou. Je vais pas te brûler avec la Rolex. Mais tu vas rien brûler. Tu vas rien brûler du tout. Putain. La tête de ma mère, on la prend la Rolex. Allez-y, c'est bon. Je vais m'occuper d'eux, mais non. Mais tu vas faire quoi? Je vais les brûler, c'est ton problème. Je vais te sauver la vie, gros. Il va pas les brûler. Sultan, vas-y, c'est bon, cassez-vous. Toi aussi, vas-y, prends-le, allez-y. Prends-le. Je vais trouver une solution, je vais dormir ici et demain je vais négocier avec eux, te casse pas la tête. Je m'en occupe, voilà. C'est bon, allez-y, cassez-vous. Moi de toute façon, ils ont pas vu mon visage, comment je... Vas-y, viens à la terrasse, toi. Je vais te montrer c'est quoi le déménagement. Vas-y, Hé, Nathan. Bien joué, hein, Garde-moi les sous du cambu. Ouais. Enculé de sa mère, la pute. Il t'a niqué ton daron. Oh, tu étais où, frère? Ça fait 100 ans que je te cherche. Karim, je vais te raconter un truc, tu vas péter les plombs. Devine, c'est qui mon beau-père? C'est qui? C'est le Condé, le flic à qui on donne des sous sur la vie de ma mère. Oh là, c'est lui mon beau-père. Arrête mon boucané. La vie de ma mère, c'est le père à Magadi. Et quoi, il t'a paniqué? Non, mais j'en pouvais pas. Mais ça, il stoppe tout, Karim. Stoppe tout, on est milliardaire. Quoi, il t'a donné des bons plans? Regarde, mon frère. C'est quoi? Ça y est, c'est les cendres au père, au mon beau. Je sais pas qui. Les cendres? Les cendres. Elle m'a dit c'est inestimable. Les cendres? Ouais. Et pourquoi tu me donnes ça? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ça? Pourquoi tu me donnes cette merde? Ça valait plus que de l'or. Qu'est-ce que ça valait plus que de l'or? Vas-y, arrête de dire n'importe quoi un peu. C'est quoi cette histoire de cambu? Ah ouais, truc de fou, je crois que je suis dans la merde. Hein. Ah ouais, tu es dans la merde, gros. Moi, de toute façon, alhamdoulilah, j'étais pas avec toi, j'étais avec ma petite famille, tranquille. La femme, elle a eu une crise bizarre, je crois. Ouais, c'est évanoui. Sultan, il m'a appelé, il m'a dit, mais gros, je vais te balancer. Là, on a laissé. Comment tu vas me balancer? Ah, je rigole. Bon, viens, on va faire l'équipe de foot. Vas-y, je vais me changer. Je suis ma tante, on va fabriquer des meubles. Ta fabrique? Ah, c'est dégueulasse. Azoug. On reprend. Attends, Azoug, parce que...